Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, il est, je pense qu'il est 8h. Je n'ai plus que ma petite louloute, juste ici, encore un petit koala. Et Ben, ce matin, il ne voulait pas quitter son pyjama. Voilà, son sur-pyjama. Non, je veux pas. Si, t'es de force au pied pour aller à l'école. J'ai mis aujourd'hui, jeudi, c'est le jour où ils font sport un peu tous les jours, mais le jeudi, ils font plus, ils font du vélo. Ils font, je pense, d'autres choses, mais je sais qu'entre autres, ils font beaucoup de vélo, puisque en juin, ils vont faire une promenade à vélo avec la maîtresse et des parents qui accompagneront à ce moment-là. C'est une promenade où ils vont faire juste un vélo sans roulette. À tes souhaits. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc du coup, elle entraîne et elle exerce tout le monde au vélo. Donc du coup, je dis, je mets tenue de sport. Bah, je vais mis, pour ceux qui se souviennent du All Back to School, le bas survêt vert avec le petit pull avec le gros tigre gris et ses petites paires de baskets de sport. Oui? Tu veux sortir? C'est ça? Là? Oui, c'est ça. Hop. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Je suis un chat. Moi, du coup, pour aujourd'hui, je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai mis un collant avec un effet bas avec des petits cœurs, un short qui est un short. Je sais pas comment décrire, mais c'est pas un short spécialement d'été, avec un petit pull, voilà. Et les cheveux, bah, je vais les lisser tout à l'heure. Anthony m'a dit, parce que du coup, il a l'année à l'école, et après, il va dépanner son père sur quelque chose. Je crois que c'est pour sortir une chaudière, quelque chose comme ça. Donc du coup, mon beau-père avait besoin d'un petit coup de pouce. Et il m'a dit, tu vas recevoir un colis, mais tu ne l'ouvres pas. Donc je me doute que c'est un colis pour mon anniversaire, non, je ne sais pas ce que c'est. Papa, il a fait ça discrètement parce que maman, elle a pas du tout vu. Et la chipie, regardez déjà. En une demi-heure. Hmm, tu veux mettre le bavoir? Fais voir comment tu le mets bien. Ouais, ouais, tu l'as bien mis, mon amour. On va s'habiller? Du coup, en tenue du jour. J'essaie de vous montrer quand j'y pense. Enfin, de avant. Donc, petite jupe effet d'un qui vient de chez Ziman. Elle est vraiment super sympa. En plus, Cindy de la chaîne Cindy Ch'ti me l'a aussi donné dans le swap, mais en taille plus grande. Donc, du coup, c'est cool. Le petit pull vient aussi de chez Ziman. Donc, vous savez quoi, on trouve vraiment des petites tenues plutôt sympas parfois. Avec un collant, donc un blanc. Lui aussi vient de chez Ziman. Comme quoi, vous voyez, j'aime bien ce petit magasin. Et la couche. Qui, elle, ne vient pas de chez Ziman, elle vient de chez Lotus. Voilà! Le total look, Lyon. Et regardez, et il y a un petit renard assorti à la jupette. Total. Et si pour les cheveux, on est sur des élastiques dorés avec des barrettes dorées pour. Je trouve que ça allait bien avec la petite tenue. Et voilà le petit look. C'est quoi ce bidou? C'est quoi ce bidou? Elle a encore son bidou de bébé. Bon, faut dire qu'elle a 19 mois. Donc. Du coup, je lui ai mis ses petites chaussures parce qu'elle s'arrache les collants et elle vire les pantoufles. Alors que les baskets, elle les garde bien. Donc, faut que je trouve une petite paire de baskets spéciale pour dedans. Avec quelque chose de très très souple. Pour quand elle est en collant, parce que sinon. Encore pieds nus, ça me dérange pas, parce qu'il fait vraiment bon dans cette maison. Donc, elle craint rien. Mais t'es belle. J'adore lui faire ses petits chignons. Je trouve que ça lui va bien. Sinon, si je laisse nature, c'est les cheveux. Enfin, au naturel, ses cheveux, ça part dans tous les sens en ce moment. C'est un entre-deux au niveau pousse de cheveux. Du coup, je préfère lui attacher pour pas que ça la gêne. T'as vu, maman, elle a des collants avec des cœurs. T'as vu, c'est des petits cœurs. Ouh, ça t'en fait tomber par terre, mon cœur? Bah oui. T'es bien, là? Oui, t'es toute mimi, en tout cas. Oui, ça baille. Oh, oui. On fait des autocollants et on a fait du coloriage, je pense que ça se voit. Parce qu'il y a une maman qui me demandait, est-ce que ta fille aussi met le stylo à la bouche? Oui, 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 oui. Ah bon? Ah bon? Tu veux refaire coloriage? T'es sûre, hein, parce que t'es plutôt du style à manger les crayons. Dis-moi. Je te laisse faire. Oula, qu'est-ce que tu fais? Attends, regarde, c'est comme ça pour retourner, mon cœur. Elle te plaît? C'est Mini et Daisy. Du coup, nous sommes passés à une autre activité, parce qu'il ne faut pas rester non plus trop longtemps sur une activité, je la nettoierai après. Je suis bien contente de mon petit tablier et j'ai hâte qu'on reçoive la table à hauteur standard pour éviter que je fasse ça 10 fois par jour. Hop, ramasser ce qui tombe. Regarde. Hop. Les fesses de la girafe. Et on met la tête, enfin le corps. Voilà, regarde, j'ai fait une jolie girafe.
Elle s'éclate avec les deux aimants là. Du coup, c'est la petite boîte où il y a et les animaux comme ça. Donc ça, je les avais pris, enfin j'avais commandé au Papa Noël l'an dernier. Tu veux le mettre où? Là, tu veux faire que des aimants, toi. Ça te plaît, ça. Et avec, il y a les petits cubes comme ça de bébé. Cela, il y arrive bien. Oh, tiens, je n'avais pas vu. Il y avait encore des fesses. Fesses d'hippopotame. Je sais pas si je les ai tous. Je crois que j'ai tous. Oui, ça, tu peux mettre à la bouche. Ça crée rien. C'est pas comme un crayon, quoi. Tu me le donnes? Merci. Regarde. Touc. Oh. Oh. Bravo, mon cœur. Vous voyez, ça, c'est le niveau facile maintenant pour elle. Et ça, je vous le conseille en jeu pour ceux qui ont des petits qui tournent autour des 1 an. C'est vraiment génial. Je crois que c'est des... Je vais regarder la boîte. Je l'ai encore, la boîte. La boîte, c'est celle-ci. Ça date d'Eden. Hein. C'est donc des baby Clémy. Voilà. Donc en gros, hop, on va fermer ce garage pas rangé. Ce sont des cubes mous. Toi tu veux plus, on va descendre mon cœur. Hop, elle est en train de se défaire son tablier. Hop. On descend mon cœur. Attends, je vais t'aider à enlever les manches. Hop, une manche. Deux manches. Par contre, on va se nettoyer la bouche, mon amour, avant de descendre. Toi tu veux plus le tablier. Et du coup, ça c'est d'un niveau. Qu'est-ce que tu veux? J'arrive pas, je vais sortir de quoi la nettoyer. J'utilise ces trucs là. Rom rom rom, ça veut dire quoi rom rom rom? Et là on va passer au truc que les enfants préfèrent. Alors, nettoyer le visage. Oh, elle va adorer. J'ai eu mon cadeau d'anniversaire. Vous devriez pouvoir le remarquer assez facilement quand même. Parce que j'en porte genre jamais. J'ai les oreilles percées depuis petite. Je crois que c'était vers mes 7-8 ans que j'avais demandé à ma maman. Et Anthony m'a offert des boucles d'oreilles. Elles sont en or blanc. Je sais pas si vous allez voir. Anto, est-ce qu'elle voit lunettes ou pas? Hein? Est-ce qu'elle voit lunettes? Attends. Mais je sais pas sur l'écran si elle voit lunettes. Voilà, les boucles d'oreilles. Elles sont belles. Hein, voilà, ce qui va me faire manger des pâtes pendant un mois. Donc je suis super contente. Ça me fait très bizarre par contre, parce que moi, en fait, pour vous expliquer pourquoi est-ce que je ne porte jamais de boucles d'oreilles, je raconte une minute petite vie perso. Hein. En fait, je portais des boucles d'oreilles toc, comme la majorité des gens, enfin, comme pas mal de gens plus jeunes, je changeais mes boucles d'oreilles, etc. En fait, j'ai fait une infection où ça m'a décollé l'arrière de l'oreille, ça m'a fait des grosses plaques et ça m'a fait enfin, j'avais l'œil qui était tout collé, qui était rouge exposé, il était gonflé, enfin... Une énorme réaction allergique, mais vraiment impressionnant. Et il m'a fallu une semaine, ma mère, pourtant qui infirmait des trucs, il m'a fallu une semaine pour que ça revienne. Genre vraiment, je vous jure que c'était en train de s'ouvrir derrière, ça faisait comme s'il y avait une plaie, etc. C'était assez impressionnant. Donc depuis, ça, je dois avoir 15 ans, quand ça m'est arrivé, 14-15 ans, j'ai plus porté de boucles d'oreilles pendant des années. J'en portais des fois de temps en temps, puis j'ai complètement arrêté. Et donc j'ai dit à Anthony que ça me ferait très plaisir de pouvoir en reporter. Il a bien enregistré puisque j'ai ma petite paire de boucles d'oreilles. Mais ça me fait très bizarre, j'ai quand même l'impression d'avoir quelque chose. Enfin, faut que je m'habitue à porter quelque chose. Donc voilà, du coup, là maintenant, on va sortir. On va aller manger dans un petit truc. Voilà, j'ai envie qu'on mange dehors pour refêter ça. Parce qu'on va pas faire de resto plus qu'autre chose puisque samedi déjà on fait avec les copains. Et puis voilà, c'est chouette, je suis contente. Merci mon amour, encore une fois. On est au restaurant. Enfin, restaurant. On a la pataterie, on aime bien la pataterie, du coup on se fait un petit plaisir avec Chouchou qui est en train de chercher son repas. Et mademoiselle Lily Rose, la dame lui a donné des crayons, mais elle est plus intriguée par ce qui se passe sur les autres tables pour le moment. Alors, vas-tu nous faire des créations mon cœur? Alors, pour Chouchou c'est une patate, alors qu'est-ce que c'est quoi comme patate toi? Périgourdée. Et il y a quoi dedans? Lardon, gésier, madeleine canard. Tout ce que je n'aime pas. Moi j'ai pris beaucoup plus simple. Une patate avec une sorte de sauce à les fines herbes que j'adore. Et une petite viande et de la salade. Et Lily, bah, elle a du poulet avec des frites. Et elle mange. Voilà, comme elle peut, mais elle mange. Mmh, c'est bon la frite. Mmh, c'est chouette, le restaurant c'est cool. Hein. Bon, sinon je fais une parenthèse, je voulais juste dire à tes souhaits. Merci. C'était pas ce que je pensais, mais oui. Merci, vraiment merci beaucoup, parce que du coup, sous le vlog qui a été posté aujourd'hui le 8, j'ai pas du tout parlé d'anniversaire, c'est juste en fin de vlog je crois, je ne sais même plus,
Et vous avez été énormément me souhaiter bon anniversaire, un message privé partout où vous pouvez. Et donc c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde. Du coup, je préfère juste vous le dire oralement. Merci beaucoup. Merci de, bah, d'avoir pensé à tes souhaits, mon cœur, excuse-moi. Merci, vraiment, c'est adorable. Il y a eu des montages sur Instagram qui ont été faits. C'était vraiment juste super sympa. Magnifique, ma chérie. Ce matin, quand je me suis levée, du coup, comme c'est pas moi qui emmenais Dana et Cole, je l'ai regardé les montages avec Lily Rose, d'ailleurs, qui dansait sur les musiques. Et c'était super sympa. J'ai commencé à lire tous les messages de bon anniversaire. Donc, un énorme merci. Ça fait plaisir que vous soyez là aussi pour les bons moments. Quoi. C'est plutôt chouette. Elle dit coucou maman, elle m'a vu sortir la caméra. Coucou, aujourd'hui je suis avec ma maman pour aller chercher mon cadeau, voilà. On fera peut-être quelques achats pour Noël aussi. Voilà, on va faire la commande au Papa Noël pour les petits enfants. Voilà. Enfin, pour tes petits enfants, parce que moi c'est mes enfants. Et c'est vrai quand j'en parle au boulot, elles me font mais nous on regarde plus les jouets. Hein. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas des petits enfants. Isabelle, tout ça, Sophie, elles ne regardent pas. Elles, parce que moi je dis, ah, mais je me commence, il faut que j'aille voir les jouets. Puis, ah bah nous c'est fini, c'est des sous maintenant. Ah bah oui, c'est vrai que toi les tiens, ils sont encore. Ils sont encore relativement jeunes quoi, Isa, donc c'est de l'argent, oui. C'est vrai que j'ai pas. Moi les petits enfants, ça me remet. T'en as des collègues qui ont des petits enfants ou t'es une des rares à avoir des petits enfants toi? Parce que ma mère elle fait partie des plus anciennes de son service. En infirmière, parce que j'ai Pascal, mais ses filles ont pas fait. Non, je crois que je suis une des rares à avoir des petits enfants. Isabelle, elle en a, mais c'est la secrétaire, mais elle est beaucoup plus âgée que moi, elle a au moins 5 ou 6 ans de plus, donc oui. Après les autres, non, je pense pas. Mais ma maman, c'est une mamie jeune aussi. Elle a été mamie, t'avais 47 ans. Voilà. Je sais pas si elle est mamie jeune. Bah, il 70. A pris la route à 70, mais je crois que c'est une voiture sans permis et il a l'air de rouler à 40. Voilà, du coup mon cadeau c'est une jolie paire de draps. J'avais demandé à ma mère une jolie paire de draps parce que j'avais envie, voilà, hein. Merci maman. Et du coup on a choisi celui-là pour Papa Noël. Du coup, petit Papa Noël de chez mamie, il a le restaurant Mini parce que Lily elle est en kiff sur Mini. Elle a deux tutus de bolide Mini Daisy. Deden il a pas de patrouille et garage pas de patrouille. Voilà, la totale. Et mamie s'est acheté une casserole, enfin une gamelle juste à dire. Une casserole. Oui. C'est pour mon Noël. Voilà, c'est ton cadeau de Noël à toi-même. Bon, je vais aller récupérer un petit colis. J'ai la Becca en direct, puisque c'est donc mon cadeau d'anniversaire par Becca. Et le livreur est passé pile sur l'heure où nous étions pas là. Donc, moi je parie sur un bijou de Pandora. Ou c'est Pandora ou Pandora? Ça se dit la marque? Pandora. Donc, un truc de Pandora. On va voir si j'ai raison ou pas. Déjà avec un ciseau c'est mieux. Je vais vous poser à côté de Becca, voilà, comme ça si elle crie, si elle tousse, vous entendez tout. Si elle respire aussi. Alors, comment ça s'ouvre? Haha, il y a écrit Pandora. C'est cadeau. C'est le cadeau pour maman, oui. Non, ma cadeau. Non, c'est pas pour Eden, c'est pour maman. Waouh, c'est joli. T'as entendu la réaction d'Eden? C'est Eden ça? Ouais, il a fait. C'est ça! Il te dit bonjour! C'est quoi ça? C'est ça, c'est un bracelet de Pandore avec un petit cœur. Alors, sa signification, c'est quoi ce cœur du coup, Becca? Mais c'est toi mon cœur! Oh! Comment ça se met là? Il y a un petit truc sur le côté du cœur que t'appuies et ça ouvre le cadenas. Et donc voilà le bracelet, c'est bien ça, j'avais trop raison, elle me fait, j'en ai marre, on peut jamais te faire surprise, tu trouves toujours. Et quand j'ai vu le colis, et je me suis dit, elle m'a dit qu'il s'était fait, qu'elle avait demandé à Anto, etc., que j'ai vu ça pour Anto, je me suis dit, suite logique, ils sont tous les deux restés dans la même idée, du bijou, bon, les colliers, j'en ai déjà pas mal, donc je n'en porte pas trop, et vu la taille du paquet, je me suis dit... Pandora, je sais pas pourquoi, je l'ai senti et je suis trop contente avec le petit cœur et tout. C'est trop mignon. En plus les couleurs, vous voyez, ils sont allés jusqu'au bout du truc, hein. Donc elle sait, je lui ai dit un énorme merci. Je suis mais méga méga gâtée. Franchement, c'est un très très beau gâteau. Cadeau. Je suis contente, je suis super gâtée pour mon anniversaire. Eden, c'est l'anniversaire de qui? De maman. Non, Eden a décidé que c'était pas mon anniversaire mais le sien. On dit joyeux anniversaire maman. Ah, quand même, un peu. Joyeux anniversaire grosse mère. Joyeux anniversaire grosse mère. Dis donc, mauvais va. Joyeux anniversaire maman.
Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Wow. Wow. Je vais souffler, Lily. Tu veux souffler, Dave? Tu veux souffler les bougies de maman? I've kept my heart inside a box, threw away the key. You fell.